Salut tout le monde, c'est Ethan 1975 en compagnie de MQBIC 006. Et aujourd'hui on se retrouve sur la 3DS pour une vidéo sur Fantasy Life. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur Fantasy Life. Donc suite à certains problèmes, on va passer les détails. Très. Voilà, donc on démarre tout de suite. Alors. Voilà, c'est bon, je suis rechasseur, maintenant je tourne. Le pire c'est qu'on va devoir marcher. Oui. Explique pourquoi. Oui, parce que quand vous êtes en multijoueur local, bon, même si la plupart je pense que le savent déjà, si vous avez déjà joué en multi, vous pouvez pas vous TP à vos cottages. C'est chiant. Cottage, s'il te plaît. Hein, le petit accent. Cottage, si tu veux. Petit accent cottage. Anglais. British. British. Tu me dis quand tu prêt. Kit Kat. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Alors. On va s'arrêter là. Bonjour. Déjà, je vais préparer les flèches paralysantes. Bonjour. Je vous fais des câlins. Oui. Ah, mais... il m'a tapé. Oui. Le mec, alors, c'est censé te taper. Alors, je vais t'expliquer ce qu'est un monstre. Moi, je l'ai défoncé. Il m'a fait aucun dégât. Du coup, moi, il m'a tapé. Je lui ai fait un câlin. Je crois qu'il aime. Bonjour. On va tuer les petits. Ah, les moustaches. Mais c'est trop bien. Non. Pas que tu l'as tapé. Non. Et tu l'as juste réveillé en allant à côté de lui comme un gros boulet. Ah. Ok, d'accord. Salut. Moi depuis tout à l'heure j'essaye de tuer le petit. Ouais moi aussi. Ah. D'accord. Ah, tu t'es fait défoncer là. Hein. Bah en fait. Ah. Il m'a attaqué. Oh, il t'a fait mal. Il m'a attaqué en une fois en fait. Enfin en une fois et ça fait plusieurs dégâts. Non mais pourquoi moi? D'accord moi. Ah, c'est dégueulasse. Je te prends soigne. Une. Et je me prends la dernière en plus. Mais. Ok, tu meurs juste quand je le tue. Non. J'ai quand même eu 50 000 d'XP. Hein. Ah non, putain, sérieusement. J'ai loupé l'XP quoi. Ah putain, casse les boules. Oui mais c'était que 8000 d'XP, ça coûte. Bon pas. Alors on rentre à la guilde. Attends deux secondes. On fait une petite coupure. Re les gens, nous revoilà, donc on va. C'est parti, on va affronter maintenant le roi citrouille. Voilà. C'est parti mon kiki. Donc d'abord on va se faire les petits boss de merde, enfin les petits mobs de merde. Je me casse bien les coups. Aïe. Ah, ça fait mal. Et moi je les défonce. Mais quoi? Attends, je me soigne, attends. Moi j'ai. Allez. T'as sérieux le roi citrouille. Oh, un autre petit truc de merde. Géomancie, oh, lol. Ouais, ton niveau 7. Enfin, tu vois, tellement je l'utilise pas, t'as vu, c'est au niveau 7. Quoi. Bon, on se le fait. Coucou. Il balance des citrouilles. Bon, moi je lui fais les mêmes dégâts qu'au Dormago antique. Hein. Je vais y arriver, genre moi. Tu t'es fait violenter. Ok, j'essaye de pas mourir. Pendant que tu la défends. Non. Putain, j'ai failli mourir. Non, j'en prends une. Putain. J'ai pas envie de m'en prendre une. Putain, mais il est trop loin. QB. Non. T'es où? Il est encore en vie. C'est bon, il est encore en vie. Je suis encore en vie, il me reste 4. Mais pourquoi il fait son attaque de merde? Oui. Oui, mais c'est moi qui l'ai enculé. Oh, 1346, juste ça. Voilà. Ah, j'ai beaucoup plus d'XP en ramassant le cristaux. Oh, moi, j'en ai pas eu. Potiron. Voilà, bref. Donc, on a fini le deuxième boss et du coup, on se retrouve tout à l'heure pour le troisième. A tout de suite. Re les gens, et maintenant, on est à Port Puerto pour affronter l'Oisouragan. Voilà. Donc on va le défoncer ou pas d'ailleurs mais C'est parti les amis. Non. Ah mais c'est quoi ce bordel? Mec, c'est OKLM. Salut. Non, je sais bien que je suis chasseur mais quand même. Non. C'est quoi? Waouh. Oui, je tire dans le vide alors. Et alors, j'ai lui mis une grosse flèche dans la gueule juste à la fin. Là, j'ai pas pu bouger depuis tout à l'heure. Oui, c'est ça, casse-toi. J'adore à quel point on met 10 minutes à battre un boss.
Bon, rassurez-vous les gens. Mais c'est parce que je lui fais pas de dégâts. Parce que sinon, on le mettrait deux fois moins de temps si je faisais plus de dégâts que toi. Ouais. Mais bon, rassurez-vous les gens. 10 minutes encore, c'est pas trop long pour un boss. Parce que moi, je me rappelle à l'époque, quand j'essayais de battre des boss beaucoup plus forts que moi. Quand t'es tout seul, c'est la merde. Hein. Ouais. Clairement. Hein. Quand j'essayais de battre des boss beaucoup plus forts que moi avec des alliés ordi. Et que bah je leur faisais tellement peu de dégâts que le combat il durait 40 000 ans. Vas-y, tue-le. Je t'ai eu par derrière, et oui. Je viens de monter d'un niveau spectaculaire. Rivière. On peut savoir pourquoi il y a encore la musique alors qu'on vient de le défoncer. Bah je sais pas. Est-ce que t'as ouvert ton menu pendant qu'il y avait encore la musique? Peut-être. Non. Je sais pas. Tu prends le truc? Ouais, là on va pouvoir le vendre directement. Bon. Et du coup, on se retrouve dans 2 minutes pour affronter le seigneur des damnés à Almagic. A tout de suite. Eh bien, les gens, on se retrouve à Almagic de nuit pour affronter ce fameux seigneur des damnés, comme tu dis, toi là, du genre. Oui, bah c'est damné, ça s'écrit comme ça. Hein. Oui, mais ça se prononce damné. Non, ça c'est. C'est comme. Non, c'est damné. Mais c'est comme le mot compte, tu vas pas dire compte. C'est con. Mais. Moi, je t'ai... Ah bah tiens. Oui, souvent il est là des fois. Salut. Bah moi on aura pas besoin de bouger. T'as vu son coup, il rejoint. Il m'a one shot. Il se fait des putains de dégâts mon gars. Il m'a one shot. Il m'a fait du 200 moi. Bah, moi il m'a fait du 790. Ah ouais quand même. Elle m'a encore fait du 200. Ah. Mais quoi, mais ça va jusqu'à où? Regarde là, son attaque elle va d'hyper loin. Hey, il m'a fait du 820. Non! Si tu le tues maintenant, j'ai les boules. Ok, maintenant faut que j'arrive à rester en vie. Faut que j'arrive à rester en vie. Non, je reste en vie. Vas-y, tue-le! Oh non, sa mère. Je vais le tuer, t'inquiète. Vas-y, c'est bon! Boum! Oui! Oh là là, mon dieu. On a gagné. Oui, on a gagné. Oui, enfin. Voilà, on a... J'ai monté le niveau. Ouais, je sais. On a enfin battu ces 3 maudits boss. Voilà, enfin, ces 4 maudits boss. Donc, bien sûr, voilà, j'espère que la vidéo... N'hésitez surtout pas à lâcher un pouce bleu sous la vidéo, ça nous fera plaisir. Voilà. Toujours mettre un like, hein, c'est important quand on aime bien la vidéo, puis quand on aime les youtubeurs aussi. Hein. Ouais. N'hésitez surtout pas à poster un commentaire si jamais vous voulez voir de nouvelles vidéos de Fantasy Life ou voilà. Donc voilà. On vous fera. Du coup, t'as déjà fait la tour antique avec Alexandre. Mais t'as fait quel niveau, le 3 ou le... Non, on avait fait le premier niveau à cette époque, donc voilà. On fera les autres niveaux si on en refait, en fait. Ouais, je pense que vous verrez bientôt une nouvelle vidéo Fantasy Life sur le dernier étage de la tour antique. Ou le deuxième d'ailleurs. On pourrait faire les deux. Bah oui. Donc, je pense qu'on va faire le deuxième avant le 3. Hein. Ouais. Donc voilà, moi je vais mettre là ici. On pourra dire au revoir, je me mets ici. Attends, j'arrive. Oui. Naruto. J'ai fait ma petite danse. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à mettre un commentaire. Ouais. Et puis bien entendu, si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez surtout pas à aller vous abonner à ma chaîne. Bah, sur ce, je ne vous dis qu'une chose. Salut tout le monde et on va faire un petit salut avant de partir. T'es prêt? 1, 2, 3. Salut tout le monde.